Donc je vais vous montrer la Saxo F2013, donc ma Saxo. Vous expliquer un peu la différence entre la Saxo de course et une Saxo typée VTS d'origine. Donc première partie, donc c'est l'arceau. Voilà, donc on a un arceau multipoint. Donc cet arceau, c'est notre cage de sécurité, voilà, pour l'équipage. L'arceau est fait, voilà, dimensionné et à des fixations B spécifiques afin que nous, équipage, on soit complètement en sécurité en cas de sortie ou en cas de tonneau. Deuxième élément, donc on a des baquets, voilà, donc des sièges baquets. Les sièges baquets donc, sont aux normes FIA, donc normes internationales, qui sont là, bien sûr, pour nous maintenir et en même temps, mais comme l'arceau, pour nous protéger en cas d'accident. Troisième partie, donc on a tout ce qui est donc les ceintures, les harnais de sécurité. Donc on appelle ça en course des harnais de sécurité. Donc c'est des multipoints. Donc on a 6 points de fixation bien différents. Donc on en a 2 parties arrière qui viennent nous prendre au niveau des épaules. On a 2 parties inférieures au niveau du bassin. Et ensuite on a 2 parties qui viennent nous remonter à l'entrejambe, ce qui permet d'avoir un bouclage de ces 6 points avec des points d'ancrage bien indépendants. Donc toujours pareil pour nous maintenir. Donc voilà, moi j'ai eu l'expérience, voilà, malheureuse, de déjà faire un capotage avec la Saxo. Et c'est vrai que ces éléments de sécurité nous permettent de pouvoir se retourner et d'être toujours maintenu en sécurité. Éviter de taper autant le toit que le pare-brise que les vitres. Donc voilà l'habitacle de la Saxo. Donc qui est aux normes donc, pour pouvoir rouler en rallye et course de côte.